quitter ce monde. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus, il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Éden. Et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Et bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 38 sur Assassin's Creed 3. On s'était laissé la dernière fois après avoir terminé la quête avec notre cher Papounet. Et aujourd'hui, on va se diriger vers Boston pour voir s'il n'y a pas les missions de Luther qu'on pourrait faire. Vu qu'on avait réussi à combattre l'autre. Et on va voir si on continue la quête principale ou si on tente pas de faire autre chose. On verra. On verra. Il y a une mission de libération. Attendez. Recruter. Bah, c'est bon, ça a été fait. Ok. Du coup. Magasin. Bah, le lutteur, il est juste là. On va aller s'en occuper. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Hop. J'imagine que tu viens de battre. C'est beau ça. Ouh, lui va être dur par contre. Ok. Maintenant. Oh, y'en a d'autres. Ah oui, y'en a d'autres. Voilà. Oh, on voit un autre. Bonjour. Ah ouais, lui, par contre, il va falloir faire gaffe. Trouvez le dard à la frontière et défiez-le au combat. Ok. Ça c'est New York ça, pardon. Pardon. Bon, je m'en suis bien sorti. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que je m'en suis bien sorti.
Alors. Allez, pas proche, hein, le bougre. Oula, ils vont poser problème. Non, c'est bon. Au cas où, sait-on jamais. Remarque, si on termine une bonne fois pour toutes pour la quête du lutteur de Boston, ça va être plutôt sympathique. Hein. Ah, j'avais pas vu que j'avais... Pardon. Je croyais que j'étais avec mon grappin, mon sort de grappin, mais non, j'étais pas avec mon grappin. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, entendre des coups de feu dans un endroit de chasse, c'est pas très illogique, hein. C'est totalement justifié, donc bon. Mais ça nous fait perdre une balle. Bon, après, on peut récupérer facilement. C'est pas... Ouais, c'est pas une perte. Donc ça m'a un peu surpris. J'ai pas fait gaffe. Mais du coup, voilà, j'ai quand même préparé au cas où, voilà, comme ça on est bien, parce que s'il y a des ennemis, bon, j'ai pas envie d'utiliser toutes mes balles non plus sur eux. Bon là c'est un peu rien ce qu'on fait vu qu'on va faire le lutteur et qu'on va reprendre nos points, mais bon. On se prépare au cas où qu'il y a des ennemis les amis, on sait jamais. Ou alors un loup ou je sais pas quoi. Mieux vaut être précautionneux. Par contre, c'est un peu galère hein, de marcher sur la neige là comme ça. Ah, vous avez cru que j'allais le tuer, hein? Non, je vais pas faire ça. Je ne vais point faire ça. Ou toi. Ah, t'as eu de la chance, j'ai pas eu le temps d'appuyer, hein, parce que sinon... Ah, merde. Je pensais que ça allait le tuer. Bon, bah. Pas grave. Allez, on arrive bientôt à destination, les amis. Plutôt aller en haut. Faisons pas de bêtises parce que si je vais en bas, je vais le regretter, je le sens. Ok, nous arrivons. Bijour. How Jaderio. Ok, c'est lui le dard, ok. Quoi, faut encore aller à Boston? Pas sérieux? Je vais faire que ça, alterner? Ok. La page, je la ferai pas. Clairement. Oula, calme-toi. Désolé, c'est l'habitude d'appuyer sur clic droit pour activer le profil actif. C'est des vieilles habitudes qui remontent, les amis. Non, on peut pas passer par là. Je
est-ce qu'on escaladerait pas là pour aller plus vite? Je pense que oui. Hop. Flemme de faire tout le tour. Bah, c'est un peu un épisode balade, hein. On va pas se le cacher. Après, elle va nous faire revenir à New York, vous allez voir. Non, elle va nous faire. Après l'avoir tué à Boston, enfin l'avoir frappé à Boston, il va nous dire d'aller à la frontière encore une fois, puis après d'aller retourner à New York. On peut, au pire, on peut pas organiser un tournoi où tout le monde se ramène au même endroit et puis je les enchaîne un par un. C'est pas plus simple. Allez, on arrive. Les voilà. Bonjour, messieurs. Ah non, c'est pas eux. Ok. C'est ceux-là. Voilà. Bonjour, messieurs. Hey, tu veux te battre? Je t'a... Eh ben, allez-y. Et dehors. C'est trop facile. Bon, il y en a un, je l'ai eu en un coup. T'es trop prévisible. Oh, lui, il va être chiant, lui. Oh, il va être hyper chiant, lui, par contre. Prévisible. Attendez, comment je peux faire pour... T'es trop prévisible. Attends, il est où? Pas moyen que je lui saute dessus. Attends. T'es trop prévisible. Mais oui, mais viens, viens par là. Bon, attends. Tu manques d'originalité, pas vrai? Mais il veut pas. Comment je peux faire pour le contrer? Attendez. Parce que là, j'ai essayé toutes les techniques, hein. On va retenter. Bon, les autres, c'est une partie de plaisir, mais lui. Hey, tu veux... Oula, oula. Manque d'originalité, pas vrai? Wow, c'est ça que tu veux? D'originalité? Raté, t'as raté. Ouhouhou. Tu ne fais que frapper, c'est trop facile. C'est trop facile. Je vois vraiment pas comment je peux faire pour... Parce que... le... Parer sa défense, ça fonctionne pas. Le contrer, ça fonctionne pas. Tu ne fais que frapper, c'est trop facile. Bah mais tu veux que je fasse quoi? Oula, oula. Oula, calme. Bon, attends. Voilà, là je suis en sécurité. Allez, viens!
Viens, chaton. Tu manques d'originalité, pas vrai? Comment je pourrais faire? Au pire, je peux pas... Bah non, faut que ce soit moi. Tu manques d'originalité, pas vrai? Vraiment pas, hein. Quelque chose que j'ai paumé. Trop prévisible. C'est trop prévisible. Vas-y, viens. C'est trop facile. C'est plutôt pas mal ce que j'ai proposé. C'est plutôt pas mal ce que j'ai proposé. Trop prévisible. T'es où? Ah, t'es là. C'est trop facile. Comment j'ai fait pour le pousser? Là j'appuie par contre, hein. Buse pas. Tu ne fais que frapper, c'est trop facile. Il est dur celui-là, hein. Tu ne peux pas frapper, c'est trop facile. Ouais, j'ai pas réussi à le pousser. Trop prévisible. Oui, il n'y a pas 10 000 choses à faire. Ah oui, bah là c'est mieux. Tu ne fais que frapper, c'est trop facile. D'accord. Oula, oula. Attendez, attendez, vous allez tarder. En fait, faut me servir de l'environnement, c'est ça? T'es trop prévisible. Et toi, t'es trop nul. Mais pourquoi parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne pas? Tu manques d'originalité, pas vrai? Oh, mais t'es chiant! Oh purée, non! Oh zut! Ah! Bon, je pense que je commence à comprendre. Il est pas facile celui-là, hein. Tant mieux, on aime la difficulté, mais... Ouais, il va falloir que je prenne l'environnement, c'est ça le truc. Bon, bah allons-y. Bon, les autres, je vais essayer de les tuer d'une façon certaine. Hey, tu veux te battre? Mais bon, attendez, parce que là, ils sont un peu trop proches. Bon, attendez, parce que l'autre, il me fait un peu chier à être trop proche. Hop.
Je fais n'importe quoi. Attendez, parce que là c'est pas bon pour nous. Deux secondes. Voilà, prends un peu de force. Bon, allez, abuse! Manque d'originalité, pareil. C'est bon? Voilà. Vas-y, viens. Mais j'ai appuyé sur... Je comprends rien! Mais je ne comprends rien! D'ailleurs, je lui fais des dégâts, je sais même pas comment j'ai fait. Je ne comprends rien. Ils me disent de maintenir appuyé E, et j'ai eu la cinématique, mais c'est ce que j'ai fait, là. Vas-y, viens. Peut-être faut que je maintienne et après que je réappuie. Trop prévisible. Je sais pas. On va attendre que je récupère un peu. On va le faire courir, les amis, on va le faire courir. Bijoux. Tu ne fais que frapper, c'est trop facile. Voilà, je frappe même pas. Bon, allez, vas-y. Là. Ouais, vous voyez, projeter, ça fonctionne pas. Ah si, si, je projette contre le mur. Attends, viens devant. Originalité, pas vrai. Viens devant. Voilà, viens là. Attends, viens là. Mais là, il n'y a rien. Bon, faut peut-être que je le mette contre le mur, alors. Non, il faut qu'il y ait ça derrière lui. Tu manques d'originalité, pas vrai? Vous voyez, ça veut pas, hein. Je ne comprends pas. Ou alors c'est vraiment que j'ai un mauvais timing. Je sais pas. C'est trop prévisible. Regardez, il danse. Il danse. Allez, viens par là. Tu ne fais que frapper, c'est trop facile. J'appelle le vent. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Oh punaise. Je ne comprends pas, hein. Je ne... Non, mais il y a un truc que je pige pas, là. Il y a un truc que je pige pas. Il y a un truc que je ne pige pas. Je vais me mettre à l'insulter si ça continue. Peut-être que ça marchera. On va essayer d'y aller... efficacement. Hey, tu veux... Allez, je m'écarte. On se calme, tu les amis. Tu fais frapper, bon, c'est toi. Trop facile. Allez, et dehors. Et de deux. Trop prévisible. Et de trois. Et de quatre. Voyez. Manque d'originalité, pas vrai. Attends. Amène-toi, amène-toi, amène-toi. Trop prévisible. Voilà, juste appuyer sur E. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je pige pas. Je ne pige pas. Alors, ouais, c'est une autre technique, hein, celle que j'ai fait tout à l'heure. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Manque d'originalité, pas vrai? D'accord, je perds ce... Ça a été facile, tu devrais essayer autre chose la prochaine fois.
Je ne comprends pas, là. J'essaie de percer sa défense et il me tue direct. Voilà. Désolé, hein, c'est pas très palpitant à voir, je le conçois, mais... Le problème, c'est que j'ai pas d'autre alternative et qu'il y a eu une sorte de cinématique. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas fait au bon moment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hé, hey, tu veux te battre? Tu manques d'originalité, pas vrai? Prévisible. Vas-y, viens. Vu que je suis trop prévisible, viens. Tu manques d'originalité, pas vrai? Prévisible. Raté, tu m'as raté. Tu ne fais que frapper, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous avez vu, un moment ça lance la cinématique, un moment ça lance pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pas vrai. Et ta tête là. Hein. Vas-y, viens. Vous voyez, j'appuie sur clic gauche pour l'assommer, ça fonctionne pas. J'appuie sur E pour le projeter, ça fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui fonctionne avec lui? Un coup la cinématique se lance, un coup non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va y aller doucement, hein, jusqu'à ce qu'on y arrive, les amis. Hein. Voyez. Ça a été facile. Oh là 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 là. Autre chose la prochaine fois. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas plaisant, hein. Bon, je fais une dernière fois avec vous, les amis. Et après, je... On fera plus tard. J'essaie une dernière fois, et puis sinon on fera plus tard, parce que là... Là, il y a un truc que je pige pas, là. Hé, hey, tu veux te battre? Bon, attendez. Déjà que je me fous des autres. Prévisible. Vous voyez, j'appuie sur espace, ça fait rien. Tu ne fais que frapper, c'est trop facile. Oui, désarmer, ça. Ouais. T'es trop prévisible.
Tu ne fais que frapper, c'est trop facile. Originalité, pas vrai? J'ai essayé de frapper. Ça a été facile. On arrête, les amis. Stop. Ça sert à rien. Il y a un truc que je pige pas. Sans doute de ma faute. Mais là, franchement, non. On arrête. Écoutez, on va se laisser là. Et je pense que pour la prochaine fois, on continuera. Attendez, il y a quoi là? Magasin, nouvel objet. Après, l'émission de domaine. Bon, on fera soit la quête principale, soit l'émission de domaine. Je pense qu'on fera l'émission de domaine. À voir. Sur ce, les amis, je vous fais à tous de gros bisous. Désolé pour cette vidéo un peu chaotique. On se rattrapera la prochaine fois. Des bisous à tous. Ciao, ciao.